Pour les chefs d'entreprise, au début, ça a été une catastrophe. Ils se disaient, ce qu'on peut comprendre, pourquoi on me demande de payer une complémentaire santé à des salariés qui l'ont déjà? Bonjour à toutes et à tous, nous sommes avec Philippe Romanard, qui, je rappelle, est le directeur marketing et communication de la mutuelle MGPS. C'est bien ça. Philippe Romanard, comment allez-vous? Je vais bien. Et vous-même? Très très bien. Parfait. Alors Philippe Romanard, thème aujourd'hui très intéressant, comme d'habitude. Alors vous allez nous faire un bilan sur la mutuelle obligatoire en entreprise. Un bref rappel justement de ce que c'est justement cette mutuelle obligatoire en entreprise. Alors, la loi de 2013 de sécurisation de l'emploi a posé une obligation pour les entreprises que le 1er janvier 2016, elles devaient cofinancer, participer au financement de la protection sociale complémentaire santé de leurs salariés. C'est-à-dire à partir du 1er janvier, toutes les entreprises devaient obligatoirement financer la protection sociale de leurs salariés. Pour les chefs d'entreprise, au début, ça a été une catastrophe. Ils se disaient, ce qu'on peut comprendre, pourquoi on me demande de payer une complémentaire santé à des salariés qui l'ont déjà? Les hommes n'ont pas qu'à comprendre. Pourquoi vous en payez, Sayo Jani? En plus, c'est cher. Et beaucoup d'entreprises, avec certaines peut-être difficultés, donc c'était pour eux une catastrophe. L'obligation du 1er janvier 2016, qu'est-ce qu'elles ont fait? Parce que c'était une contrainte, il fallait le faire. Beaucoup d'entre elles ont donné le minimum, qu'on appelle le panier minimum de soins. Ce qui n'est pas une bonne chose. Elles l'ont vécu vraiment comme une contrainte. Ce que nous disons aujourd'hui, nous, la MGPS, c'est qu'il est le temps est venu maintenant de convertir cette contrainte en opportunité. Comment? Vous savez que chez nous, il existe beaucoup de personnes en hypertension, des personnes diabétiques, ce qu'on appelle, on entend beaucoup parler de comorbidité aujourd'hui. Eh bien, ce sont des maladies qui sont bien souvent liées à des comportements. C'est ce que disent les spécialistes, des comportements. Qu'est-ce que nous proposons aux entreprises quand nous sommes chez elles? Parce qu'on leur a imposé un partenaire, la mutuelle. Ce que nous proposons aujourd'hui aux entreprises, c'est leur dire, écoutez, ce qu'on vous propose, on est chez vous déjà maintenant. On vous propose d'aider avec des spécialistes, d'aider vos salariés à prendre en charge leur santé. Il ne s'agit pas que de rembourser, on va payer les lunettes. Ce n'est pas ça le truc. Il y a aussi le deuxième aspect. On va les aider à prendre en charge leur santé, modifier leur comportement progressivement. L'inactivité physique, c'est une catastrophe. Les aider à faire du sport progressivement, qu'ils comprennent ça. L'alimentation, avec des nutritionnistes de qualité qui travaillent avec nous. Comme ça, quand ils prendront en charge leur santé va s'améliorer, c'est évident. Et les entreprises vont mieux fonctionner, tout simplement. Donc, convertir cette contrainte en opportunité de meilleur développement de l'entreprise par le biais de salariés en bonne santé. C'est ça l'idée. Donc, si, pour résumer ce que je peux dire aux chefs d'entreprise qui nous regardent, vous pouvez nous rejoindre, la MGPS. On vous expliquera comment convertir cette contrainte en opportunité pour que vos entreprises se développent davantage. Pour celles et ceux qui voudraient joindre la MGPS, ils peuvent le faire comment? C'est très simple. Nous avons notre site www.mgps.fr. Par téléphone, ils peuvent me joindre au 06 90 28 73 86 ou alors ma collègue Madame Samé Marlène au 06 90 28 87 71. Voilà. Monsieur Romana, merci. Merci, Monsieur Mancias.